Kanes, partage-moi ça, s'il te plaît. C'est pas possible. La vie, c'est pas possible. Ce que 2024 nous réserve, là, on sait pas. C'est pas possible. C'est pas vrai. Oui. Les amis, c'est... On va essayer de se concentrer. On va essayer de se concentrer pour... Je ne peux pas demander à quelqu'un de partager ce direct. Non. Mais celui qui estime que je dois partager ce direct, qui le partage. Qui le partage. Pour la simple raison que ce que je vais dire doit être relayé dans le monde entier. Je veux voir tout le monde écrit Anaconda repose en paix. Je ne vous demande rien d'autre. Je veux simplement que vous puissiez écrire Anaconda repose en paix. Et que Dieu bénisse tous ceux qui vont écrire ce commentaire. Je me permets de parler en premier en tant que le président d'honneur des blogueurs et influenceurs de Côte d'Ivoire. D'abord, je me permets de parler en premier parce que tout le monde entier sait que quand on dit Anaconda, tout le monde sait que quand on dit Anaconda, son nom est forcément lié à Makosso. À telle enseigne que souvent quand j'arrive dans des aéroports, des personnes me disent « Et comment va ton ami Anaconda ?» On a quand même réussi à faire des audiences extraordinaires dans le domaine. Il y a des décès quand tu apprends, tu dis « Oh Yako, oh vraiment c'est triste. » Mais il y a des décès quand tu apprends, ça te broie jusque dans ta chair. Parce que tu connais l'individu. Et tu sais que l'individu tellement gentil. Anaconda est tellement gentil.
en tant que personne. C'est vrai que certaines personnes, peut-être dans leur esprit, pensent que peut-être moi et Anaconda, il y a une rivalité ou bien il y a un problème. Jamais. On n'a jamais fait une émission tant qu'on ne s'est pas vu au préalable. Pour qu'ils me disent quel est le sujet pour toi que tu ne veux pas que j'aborde pour ne pas te blesser ou pour ne pas te frustrer devant la nation. C'est ici dans ce bureau, j'ai toujours dit à Anaconda, je veux tester ma performance. Amène-moi dans mes derniers retranchements. Fais sortir tout ce que tu peux sortir. Ce que tu as appris, que ce soit vrai, que ce soit faux, fais sortir. Ça va me permettre de me rôder. Je veux un jour voir quelqu'un qui pourra me déstabiliser sur un plateau télé. Parce que j'aime ce jeu de questions-réponses. J'aime ça. Ça me permet de tester. Gentil. Anaconda va venir au bureau. Quand on se croit, peut-être chez Moula. Anaconda, humilité, respect. Anaconda va t'appeler. Ah, champion! Mon petit mouvement qui est en train de gagner un peu d'argent. Voilà, les gens sont en train de raconter ça sur moi. Les sorciers de sa famille, les sorciers ont vu l'étoile d'Anaconda. Un an, Anaconda a pris le monde entier. On te tue. On te mange. Les gens sont méchants. Les gens sont méchants. On est dans des familles, hein. On est dans des familles. Mais les gens sont méchants. Je ne veux pas accuser quelqu'un. Je ne veux pas accuser quelqu'un. Il faut diminuer le son. Chez toi là-bas, quand elle ferme ta porte. Les gens sont méchants, hein. Nous sommes dans un monde là. Le monde dans lequel nous sommes là. Les gens sont méchants, hein. Anaconda était à Ivoire TV Musique. Anaconda a lutté. Aujourd'hui, il a signé un contrat avec la télévision nationale. Un bon salaire. Une petite voiture. Lui que tout le monde prenait pour le repéro. Parce qu'Anaconda était vu comme un repéro. C'est lui toujours, il doit être repéro. C'est lui toujours, il doit attraper sac des autres. Un jour, Yaka l'a dit, pas méchamment, mais c'est l'image que les gens avaient. Lui qui doit attraper le sac des boucantiers. Anaconda a lutté. Malgré son handicap, Anaconda a dit, moi là, je ne vais pas finir comme ça. Il a lutté petit à petit jusqu'à maintenant où il doit manger, s'occuper de son avenir, de ses enfants là. Les gens sont méchants. La dernière fois, j'ai suivi l'émission parce que moi, mon WhatsApp ne passe plus. Je ne sais pas quel problème j'avais sur le téléphone. Tous les WhatsApp que je mets, parce que pourtant, c'est ici tous mes contacts avec les autorités, ils sont. Donc maintenant, c'est difficile de me joindre. J'ai vu une émission où Marie-France, on disait non, Anaconda a quitté la télévision et autres. Les gars, mettez les cœurs pour ne pas que les pleurs puissent. Fait qu'on va signaler le direct, s'il vous plaît. Mettez les cœurs, faut pas que... Les cœurs que vous mettez, c'est pour Anaconda. Faut sécuriser le direct. Marie-France a fait une vidéo où les gens disaient que non, Anaconda est parti pour qu'on va appeler Anaconda et autres. Et je regarde, je vois la télé. J'étais en France. Anaconda qui est couché, qui dit non, actuellement je me sens pas bien. Je suis en train de me soigner. En décembre, en fin d'année. Ah, Seigneur. On rentre en 2024. Voici Coupe d'Afrique. Nul de chez nul. Tu rentres d'Abidjan, tu ne sens pas tellement que l'esprit de mort est en train de tuer les gens d'Abidjan. Bonne nouvelle. Qu'on doit annoncer en 2024. On n'a même pas encore atteint le 7. On n'a même pas encore atteint le 10 janvier. C'est une icône de la communication en Côte d'Ivoire qui s'en va. Anaconda n'était pas n'importe qui.
Anaconda n'est pas allé faire école de journaliste, tu vas devenir journaliste professionnel. Anaconda te pose les questions selon ton cœur. Il n'était pas méchant. Parce que les gens après vont commencer à parler. Ou est-ce que c'est pas Dieu qui l'a frappé? Oh, il humiliait les gens. Non! Tout ce que vous voyez, c'était des scénarios. Tout était des scénarios. Il n'avait rien de méchant. Tu finis l'émission avec Anaconda et dis, mais tu n'as pas parti comme ça? Hein? C'est vous les boss? Simple. Pourquoi ce sont les bonnes personnes qui vont si vite, Seigneur? Pourquoi les maudits, ceux qui sont des tueurs, des voleurs, ils vivent longtemps? Ah! Ah, Seigneur. Ah! Tu peux être connu et puis une petite maladie peut venir t'emporter. Une petite maladie. On soigne. On traite. On dit c'est pas ça. Après c'est ça. Après c'est pas ça. Après c'est ça. Oh, tu as un cousin. Tu as une tante qui est couchée au village. Parce que ce n'est pas son enfant qui est star. Parce que ce n'est pas son enfant qui a eu bac. Parce que ce n'est pas son enfant qui a voyagé. Il ne doit pas réussir. Et on te livre. Non, Anaconda n'est pas mort comme ça. Non. Non. Je ne suis pas prophète venu de Dieu, mais dit non. 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 Pas mourir comme ça. C'est vrai que nous tous, on appelle à mourir, mais à un moment donné, ça suffit. On a des gens qui sont profondément méchants dans nos familles. Retenez ça. C'est pour cela, quand tu es en 2024, là, pardonnez, écoutez-moi, hein. Je ne suis rien, je ne suis personne pour vous parler. Partagez la vidéo, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Père son âme, faites attention. Je l'ai dit, qui se rappelle, je l'aurais dit, 2024 n'est pas une bonne année. Les pasteurs qui passent sur les années, cette année, c'est ton année, c'est pas une bonne année. 2024 est une année de la mort. Faites attention. Je vous en conjure. Je vous en supplie. Je me mets à genoux. Je vous demande pardon. 2024 a pardonné. Votre vie, Jésus. Votre vie, la prière. Votre vie, le jeûne. Soyez cachez-vous. Nous sommes dans un monde où les gens sont profondément méchants pour mieux vivre, les gars. Le direct commence à être signalé. Le direct commence à être signalé. Mathieu, répartage le direct sur toutes les pages. Le direct commence à être signalé. Je commence à recevoir les notifications. Mettez les cœurs, partagez le direct, s'il vous plaît. Le direct commence à être signalé. Cette année n'est pas une bonne année. Et voici des signes qu'il annonce. Cette année, des grands baobabs vont tomber. Des grandes entités vont tomber. En 2023, le monde de la sorcellerie et des mystiques ont pris leur équivalent de sang pour contrôler cette année. Guerre en Ukraine, guerre au niveau de, comment on appelle ça, de Gaza. Tremblement de terre au niveau, comment je pourrais le dire, du Maroc. Ils ont pris leur équivalent de sang. Les mystiques vont frapper cette année. Je vous demande pardonner. La seule personne qui est capable, nous là, de nous protéger là, on ne connaît personne. C'est Jésus. C'est Jésus. Si en 2024, ta vie doit être une vie de désordre, une vie où tu mougou, tu es en train de... Tu vas mourir. 2024 est une année de la mort. Cachez-vous. Prenez le soin de vous cacher. C'est pas tout, on poste sur les réseaux sociaux. On ne vient pas sur les réseaux sociaux. Tu as été là, tu as mangé ça, tu as tenté de te snapper. Il y a des gens qui te regardent. Ta joie est une insulte pour eux. Ton bonheur est une insulte pour eux. Ta réussite est une menace pour eux. Fais-en attention. Je parle en tant qu'un père. L'homme qui vous parle à 45 ans. Je ne suis pas un enfant de 28 ans, de 29 ans qui vous parle. J'ai perdu ma femme. Donc je sais ce qu'on appelle la douleur de la mort. J'aimerais dire Yako,
à la famille d'Anaconda. Yako, à sa première famille, je peux le dire, qui est la télévision RTI3. Je vous en prie. Anaconda, on doit l'honorer. Anaconda, là, je vous en prie. Je vous en prie. Il avait un handicap. Il faut que là où il se trouve, il puisse dire effectivement, les gens m'aimaient. Si on doit cotiser, je vous en prie. Donnez, montrez, donnez la possibilité aux Ivoiriens. Avec un petit 1000 francs, un petit 100 francs, un petit 200, ils vont cotiser. S'il avait une veuve, s'il avait des enfants, on veut savoir. N'allez pas jeter Anaconda dans un tombeau comme ceci. Et puis ses enfants demain, on ne sait pas comment ils vont devenir. Notre papa était aimé et puis on a fait. Non! Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Sinon vous et moi, ça sera la guerre. Et je n'ai jamais perdu une guerre. Faites pas ça. Mori le mot là. Mori. On se connaît. Anaconda, c'était notre gars. Al Mustapha. Anaconda, c'était notre gars. Il ne va pas partir comme ça. Aujourd'hui, c'est le conseil d'Apoutou. Je tiens déjà à dire merci à Apoutou. Parce qu'aujourd'hui, je sais que tu vas rendre hommage. Que ce soit à DJ Arafat, que ce soit à Anaconda. Aujourd'hui, là, faut les honorer. C'est ton jour. J'ai mal dans mon cœur. Parce qu'à chaque fois, que tu es en train de te battre pour pouvoir avancer, les gens ne regardent pas tes années de souffrance. Mais le jour où tu commences à manger, c'est là que tu deviens ennemi des gens. Pourquoi quand je souffrais, je n'étais pas votre ennemi? Pourquoi quand je pleurais, je n'étais pas votre ennemi? C'est quand je mange maintenant, je deviens votre ennemi? Mais pourquoi les Africains sont si méchants? Oh Seigneur, apporte-nous ta protection, Jésus. Père, on n'a que toi seul, Jésus. On pêche, nous sommes tous des pécheurs. Mais Seigneur, on n'a que toi seul pour 2024. L'année commence, papa. On n'a que toi seul. Anaconda a fait le mal à qui? Je vois même des personnes souvent sur le plateau. Bon, on essaie souvent de taquiner Anaconda. On va te frapper. Oh, tout ça, c'était la comédie. Pour donner de l'audience à la télé. Anaconda n'est plus là. Anaconda n'est plus là. Anaconda n'est plus là. Il y a qui va me taquiner maintenant sur le plateau télé? Il y a qui va essayer de me faire des punches? Il y a qui? Il était le seul qui pouvait me défier. Anaconda, tu nous laisses à la veille de la canne, tu t'en vas comme ça, et tu nous dis au revoir. Comme ça, tu t'en vas, sans même nous dire au revoir. On se lève le matin, tu es parti. Tu es méchant, Anaconda, hein, tu es méchant. Tu es méchant. Si tu n'es pas giflé au ciel quand il te trouve, tu es méchant. Je vous en prie, cette année n'est pas une année comme les autres. Je vous en supplie. Si tu avais l'habitude d'aller tout le temps dans des bars et dans des maquis, je ne t'interdis pas. Mais si tu veux vivre longtemps, il y a des années là, on fait année sabbatique. Cette année là, je vais m'asseoir et puis je vais me concentrer sur mon avenir. Cette année là, je vais me cacher un peu. Les gens n'ont qu'à dire tu es tombé. Même l'aigle, à un moment donné, il s'enferme. Même l'ours, on appelle ça la période d'hibernation, il se cache. Le serpent se cache pour changer sa peau. Il y a des années, tu prends là, on n'est qu'à dire tu es tombé. Tu ouvres un compte bancaire. Chaque mois, l'argent que tu dépensais dans les femmes, dans les boîtes de nuit, dans les maquis, tu prends, tu déposes là-bas. Ça s'appelle la stratégie économique. Tu es en train de préparer ton avenir. Parce que nous sommes dans une année de mort. Qu'est-ce qui se passe? Quand on arrive dans une année comme ceci, on se cache. On change ses projets. On se concentre sur sa vie. On devient méchant. Les services bête, tu donnes l'argent gauche à droite, les gens prennent ton propre argent pour aller voir des marabouts dans le but de t'envoûter. 2024, il faut devenir un peu méchant. Il y a des erreurs qu'on ne commet pas en cette année-là. Les gens avec qui tu marches, qui ne t'apportent rien, tout le temps c'est eux qui ont venu te dire, j'ai fait rêve sur toi, tu étais mort, on dit ça de toi. 2024 là, je préfère être seul. L'histoire me dit, vaut mieux être seul qu'être mal accompagné. Nous sommes dans une année dangereuse. Ne restez pas là dans les histoires. Dieu m'a dit le pauvre. Non. Combien d'années
On a prophétisé que cette année, c'est ton année. Tu as eu quoi? Rien. Il faut changer de stratégie. Depuis 2-3 jours, je vais vous montrer quelque chose. Ça, c'est mon deuxième WhatsApp que je ne donne même pas. Je suis à combien de messages? Lisez là. À 2800 messages. Regardez bien. 2800 messages. Mon WhatsApp principal, je suis à 7000 messages. Tous les jours, les gens ne font que m'écrire. Général, j'ai jeûné pendant 12 jours. Il faut m'envoyer la prière pour l'année 2024. J'ai jeûné pendant 12 jours. Dieu m'a dit, cette année, mon fils, faire ressortir le chiffre 8. C'est le chiffre mystique. Fais très attention. Le monde est mystique, les loges satanistes, francs-maçons, rosicristiens, sorciers, autres sorcelleries, ils vont frapper très mal. J'ai dit, 31 décembre, n'allez pas mon goût bêtement. L'année là n'est pas une bonne année. Des gens m'ont pris à la dérision. Je ne suis pas ici pour te faire la morale. Je ne suis personne qu'un petit voyou à qui Dieu a accordé la grâce d'être en vie. Pardonnez. Pardonnez. La mort est en train de frapper à nos portes. Je saisis l'occasion de ce décès pour honorer Anaconda. Je sais que je suis l'une des voix les plus écoutées en Afrique. Je vous demande de partager le direct, s'il vous plaît. Je vous demande pardon. Partagez le direct au moins 12 groupes. Faites les captures, amenez-moi ça en inbox. Ce que je peux aider, je vais aider. Mais retenez les choses. Chaque année s'ouvre avec des portes. Je prie maintenant pour les 3000 personnes qui vont taper, qui vont mettre les cœurs, que cette année, la mort prématurée, la mort par accident, la mort par la maladie ne puisse pas t'emporter au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que tout sorcier qui va prononcer ton nom à une réunion de sorcellerie, que ce sorcier la meure par correction. Parce que Dieu ne permettra pas que cette année tu sois la honte. Dans cette année de mort, je prie maintenant pour les 3000 personnes qui vont partager ce direct, que l'Éternel vous positionne dans les hauteurs de la richesse pour confondre vos ennemis. Cette année-là, tes ennemis doivent reconnaître que ton Dieu est vivant. Anaconda est parti. Il a fini sa course. Il laisse un nom. Quand toi tu partiras, qui se souviendra de ton nom? Qu'est-ce qu'on dira de toi? Il y a 3 personnes qui vont se présenter le jour de ton funérail. Il y a tes amis, il y a tes collègues et il y a tes parents. Qu'est-ce qu'ils vont dire de toi? Cette fille-là, j'irais bisio. Passait son temps à coucher avec les hommes, ses pines qui étaient dans sa tête. Lui-là, tout ce qui l'intéressait, ses femmes, son argent, au lieu de s'occuper de l'avenir de ses enfants. Chaque semaine, vous savez, quand tu prends femme tous les jours, tu vas aller à l'hôtel, c'est au moins 10 000. Il faut gérer la nourriture, 10 000. Au moins son transport, 10 000. Ça fait 30 000. Multiplié par 4, si tu fais un seul coup dans la semaine, ça fait combien? 120 000. Multiplié par 10 mois, ça fait 1 200 000. Tu peux mettre un petit, tu peux acheter un petit terrain avec ça. 2024, là, on prend conscience parce qu'on vieillit. Mais ma calvitie devient plus profonde. J'ai 45 ans. Je ne sais pas quel est ton âge. Mais je ne sais pas ce que tu as réalisé. Faut t'asseoir à un moment donné. Faut dire, hey! Je ne serai pas la honte de ma famille en 2024. L'année vient de commencer. Aujourd'hui, nous sommes que le 6. Tu n'as pas encore perdu quelque chose. Je vais vous demander simplement de faire une chose. Postez la photo d'Anaconda sur vos profils, s'il vous plaît. Postez la photo d'Anaconda. Je vois quelqu'un qui dit, c'est toi qui parles d'Anaconda. J'ai toujours parlé d'Anaconda. Tout le monde, la Côte d'Ivoire, sait, tout le monde entier sait qu'Anaconda, c'est mon ami. Tous les directs qu'on fait, ce sont les scénarios qu'on préparait. Donc ne viens pas parler comme ça dans un direct. Tu vas tirer sur ta vie une malédiction. L'homme qui parle, tu peux ne pas m'aimer, mais tu ne me connais pas. Je suis 3 en 1. Je suis influenceur. Dans ça, je suis le numéro 1. Je suis un coach en stratégie de réussite. Voici mon livre que je remets gratuitement à tous ceux qui m'écrivent sur le WhatsApp. Et numéro 3, je suis un homme de Dieu. Tu peux ne pas croire en ça. Mais ça fait 7 ans que je suis sur les réseaux sociaux. Jamais on n'a pu voir une personne venir dire « Makoso, je le connais, il m'a pris de l'argent. » Jamais. Donc ce que les gens disent n'engage que eux. Moi, je m'adresse à 5000 personnes ce soir. Je vais vous donner un numéro de téléphone. Et je veux voir 5000 personnes m'écrire pour dire « Général, je veux ma prière et mon cadeau de l'année 2024. » Je vais vous amener gratuitement ce livre pour que vous preniez conscience que cette année, j'ai dit bien, les 5000 personnes, Dieu m'a dit,
Je vais encadrer 5000 personnes cette année. Les aider, les encourager, prier pour ces personnes. Je ne suis pas parfait, mais tous ceux qui vont écrire, je refuse de mourir en 2024. Tous ceux qui vont mettre ce commentaire maintenant, tous ceux qui vont écrire cela, je prie que Dieu, qui a créé le ciel et la terre, protège votre vie et votre famille. Je vous donne ce WhatsApp. Parce que l'autre WhatsApp que tout le monde a est beaucoup surchargé. Je vais vous donner un WhatsApp spécial. C'est le 00225. Prenez-le s'il vous plaît. Prenez-le s'il vous plaît. Je le demande humblement. Je ne peux pas venir parler sans faire le travail que Dieu m'a confié. Prier pour des gens. J'écris, je refuse que la mort me localise en cette année. Tu peux écrire, je refuse de mourir en 2024. Ou tu peux écrire, cette année, je refuse d'être la queue. Tu peux écrire ce que tu veux, mais dis quelque chose qui va t'arriver. Je donne mon WhatsApp. Les 5000 personnes qui vont prendre... Écris, je refuse de mourir en 2024. Les 5000 personnes qui vont prendre ce numéro et qui vont m'envoyer un message pour dire, général, je veux ma prière de 2024. Il y a trois choses qui vont se manifester dans votre vie. Un, la mort ne sera pas votre héritage. Deux, vos ennemis viendront s'humilier devant vous. Trois, vous serez la tête dans le domaine des finances. Voici mon numéro. 00225. Prenez ce numéro-là. Ceux qui n'ont pas encore reçu la prière. 00225. 07. 48. 79. 85. 85. Je pense que c'est le téléphone qui est dans ma main. Ça fait mal. Mais l'Éternel est vivant. Ok, c'est le numéro qui est là. 00225 07 48 79 85 85. Que vous soyez en Côte d'Ivoire, que vous soyez en Europe, aux États-Unis, au Canada. Si 2024 pour vous, vous êtes convaincu que cette année, vous ne devez pas être l'échec de votre famille. Je vous demande de m'envoyer un message sur le WhatsApp 00225 07 48 79 85 85. Ce soir, à partir de 21h d'Abidjan, je vais prendre d'autres informations et je vais vous les donner. Mais j'aimerais vous dire quelque chose. L'un des secrets les plus redoutables pour prendre le contrôle d'une année, pour protéger sa vie, regardez les grandes entreprises. Ils font toujours une alliance qui s'occupe des veuves et des orphelins. Chaque personne parmi vous, ce soir, je vais vous expliquer ce que c'est. Si vous, je fais don de 37 millions tous les débuts d'année aux veuves et aux orphelins. Cette année, nous sommes déjà à 20 millions déjà encaissés que nous allons distribuer. Pourquoi nous le faisons? Nous allons amener une partie à Israël. Parce que tu ne peux pas commencer une année sans provoquer le ciel. Et la chose qui touche le plus le cœur de Dieu, ce sont les veuves et les orphelins. La Bible nous enseigne, la véritable religion consiste à s'occuper des veuves et des orphelins. C'est pour cela, moi veuf, je te dis cela. Quand tu as fait un orphelin, Dieu te maudit. C'est pour cela, si quelqu'un est à la base de la mort d'Anaconda, peu importe la personne, tu t'es, Seigneur, ne permets pas que cette personne vive jusqu'à la fin de cette semaine. Dans les 24 heures, il faut prendre sa vie. Anaconda était quelqu'un de vrai et de gentil. N'appelez pas s'il vous plaît. Je n'ai pas demandé d'appeler sur la ligne directe. Vous envoyez un message sur le WhatsApp simplement. Vous envoyez un message sur WhatsApp. Vous écrivez sur le WhatsApp général. Je veux ma prière de 2024. Et le numéro est le suivant. Voici le numéro. Je vais l'épingler s'il vous plaît. Voici le numéro qui vient d'être écrit. Je vais tenter de l'épingler. Ou je peux l'épingler. Voilà. Je viens d'épingler le numéro s'il vous plaît. Voilà, 00225 07 48 79 85 86. Ça ne vous coûte rien. Que tu sois musulman, que tu sois chrétien, que tu sois enfant. Combien de personnes sont allées en Europe aujourd'hui là? Malgré que vous êtes là-bas, c'est l'esprit de mort qui domine vos finances. Tout ce que tu touches meurt. Tout ce que tu reçois meurt. Cette année 2024, je refuse que tu sois la honte de ta famille en cette année. J'ai pris des résolutions en 2023. Plus jamais de clash, des bad buzz. Mais je contrôle mon langage. Je connais mon langage. Je suis un spécialiste en matière de stratégie de langage. Donc tu ne me juges pas en fonction de mon langage. Regarde la conclusion de ce que l'homme veut dire. Je veux simplement te dire que cette année, pour la cause de tes ennemis, pour la moquerie de tes ennemis,
tu es condamné à réussir. Je rappelle mon WhatsApp, je vais couper le direct pour ne pas travestir mon message que je voulais passer. Le message que je voulais passer était de Anaconda était un homme vrai. L'image qu'on doit garder de lui, c'était un homme humble et vrai. Deuxième message, nous sommes dans une année très mauvaise. Faites attention aux actes que vous allez poser. Vivez caché. Troisième message, je veux prier pour 5000 personnes. Tu suis ce direct. Ce direct sera un jugement contre toi. Que tu sois chrétien, assemblé de Dieu, baptiste, je m'en fous. Ton numéro là, il n'y a pas ton identité. Tu m'écris simplement, tu dis général, je t'en prie. Même pas je t'en prie. Je veux ma prière de 2024. Je veux ma prière de 2024. Je vais vous amener ce livre qui parle de tous les secrets qui permettent à quelqu'un de réussir dans sa vie. Ce livre, il coûte exactement 10 000 francs CFA en Côte d'Ivoire. Je vais le remettre gratuitement aux 5 000 personnes qui vont m'écrire maintenant. Je vais vous l'amener en fichier PDF, que tu sois au Congo, en RDC, au Cameroun, au Burkina, au Mali, écrivez-moi. Je veux prendre le soin. Nous sommes déjà à 3 000 messages. Je vais couper le direct et je vais répondre à vos messages. Je veux les 5 000 personnes. Je rappelle pour la dernière fois le WhatsApp 00 225 07 48 79 85 85. Vous n'appelez pas, vous envoyez un message général. Je veux ma prière de l'année 2024. Les 5000 premières personnes qui vont m'écrire, si je suis prophète de Dieu actuellement en jeûne, que l'Éternel vous localise. Soyez bénis. Dieu bénisse la RTI. Vive Anaconda, héros parmi les héros, le God. Que Dieu te bénisse, Anaconda. Shalom à toi.